Messieurs, dames, aimez-vous les bananes? Je pose la question très simplement parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Banana, OK? Comme cette banane-là. Et c'est un des jeux les plus joués en ce moment sur Steam. Et c'est quoi le jeu? Ben, c'est un clicker. Donc c'est très simple. Tu prends ta souris, là, comme celle-là. Tu prends la souris, puis tu cliques sur une banane. C'est vraiment tout ce que tu fais. Et plus tu cliques, comme je fais en ce moment même, et plus tu gagnes des skins sur une banane. C'est pas une blague. C'est vraiment. C'est. C'est l'ère moderne du gaming. Là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bref, messieurs, dames, ce jeu-là est joué par plus de 800 000 personnes en ce moment. Oui, je sais. C'est. J'ai jamais vu ça moi-même de ma vie. Les 800 000 sont probablement presque tous des bots, OK? Euh, C'est des programmes là, qui te permettent de cliquer. Au lieu que toi, tu cliques comme un, un imbécile. Tu as un programme qui clique pour toi puis tu gagnes des skins. Et pourquoi les gens jouent à ce jeu? Eh bien, à ce qui paraît, ces skins-là, tu peux les revendre pour euh, au-dessus de 1000$. OK? Les... On est rendu là. Moi, je pensais... J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps que vous allez voir prochainement sur la chaîne sur les skins de CSGO parce qu'il y a un skins qui a été vendu pour un million de dollars. Mais on est rendu là. Avec un jeu de banane, tu cliques dessus. Puis voilà, OK? Et la banane, ici, on va, on va la garder avec moi ici, OK? Je vais, je vais la garder proche de moi. Comme ça, vous allez savoir c'est quoi le sujet exactement. Bref, messieurs, dames, euh, sans plus tarder, les gars, on, on va aller regarder l'article parce que je... Je sais plus quoi dire, man. Et si je. On est rendu là. Je. Euh, go regarder l'article. right, so messieurs, dames, voici l'article. 700 000 personnes cliquent sur une banane sur Steam pour gagner de l'argent. On est rendu là. Les gens, ils ont tellement faim, bro. Ils voient une banane, il faut qu'ils cliquent dessus pour gagner de l'argent. Je sais pas quoi te dire, man. Je... On est rendu là, bro. Le principe de ce jeu est que les joueurs cliquent sur une banane. OK sur la banane tu vois ici jusqu'à ce qu'il gagne de nouvelles bananes c'est ça mais il y a une énorme différence en jeu les utilisateurs gagneront périodiquement des pots de bananes aléatoires c'est intelligent de rareté variable avec lequel ils pourront réaliser des bénéfices en les vendant sur le marché de Steam à d'autres utilisateurs. Le problème est que le développeur a reconnu que la grande majorité des 700 000 joueurs enregistrés sur Banana sont des robots. Ce jeu utilisant moins de 1% des ressources de votre ordinateur, les gens créent des milliers de faux profils pour exécuter ce jeu basé sur des clics dans l'espoir d'obtenir et de vendre des pots de bananes rares dont la valeur augmente rapidement. Actuellement, les pots de bananes les plus chers vendus sur le marché ont atteint plus de 1000 dollars. Imagine man, imagine bro. Il y a des gens qui utilisent leur argent. Moi, je vous ai tous traités d'imbéciles. Hein? OK, ceux qui m'aiment pas à la face, là, puis qui regardent mes vidéos, puis qui achètent des skins ou des microtransactions. Je vous ai tous traités d'imbéciles. On a trouvé des imbéciles qui sont plus imbéciles que toi. Là. Imagine, on est rendu pour des pots de bananes. Là. Fait que tu sais quoi? Je retire toutes les insultes que j'ai faites à tout le monde. OK, ceux qui aiment Ubisoft, le recyclage, toutes ces conneries. Je retire tout ce que j'ai dit. Il y a des gens qui sont plus stupides que vous. Donc euh, bravo, vous avez gagné euh, des points aujourd'hui dans l'intelligence. C'est bien ça. Ce qui explique pourquoi les utilisateurs dotés d'armées de comptes de bots s'impliquent. Dans une interview avec Polygon, le développeur du jeu a admis qu'il s'agissait d'un problème juridique d'argent infini. Et l'équipe s'est demandé combien de temps il faudrait que Valve n'intervienne pour fermer le jeu. Dans l'interview, le développeur a confirmé que lorsque le nombre de joueurs était de 141 000, seul un tiers de ces joueurs étaient réels. Les autres étaient des robots, alors que la plupart des utilisateurs vendent leur peau de banane à un prix, à un chiffre euh, fort. Certains ont gagné des centaines de dollars grâce à Banana. Sur Steam, Banana est mieux classé que Dota 2, PUBG, Apex Legends et GTA V en termes de nombre de total de joueurs, même si la majorité de ces joueurs sont des robots pilotés par des fonctions de clics automatiques. Quand même, ça veut dire il y a 800 000 personnes tabarnak, c'est des fous, qui ont des bottes, et qui veut cliquer sur une banane pour gagner du fric. On est rendu loin en tabarnak, là. Donc, vous voyez, cette fameuse banane-là, là, est très populaire, là. Moi, j'ai jamais vu autant de monde aimer autant une banane. OK, les bananes, ça coûte pas cher à l'épicerie. Tu peux... Au Canada, bro, tu peux acheter, genre, une grappe de banane pour, genre, un dollar, OK? J'ai jamais vu autant de personnes être aussi hype pour une banane. C'est bien. Ça représente bien la banane. La banane, c'est bon pour la santé. Ça a beaucoup de vitamines. OK? Ça a du potassium. Je sais pas qu'est-ce qui fait le potassium, mais c'est bon. OK? Moi, quand je mange des bananes, je vais aux toilettes rapidement. Je sais pas si c'est l'effet du potassium, mais c'est comme ça que ça marche. Mais là, dans un jeu, les gens veulent du cash. On est désespérés à ce point-là dans notre monde. Après, la NFT, c'est le Banana Gate, tabarnak. On est dans un Banana Gate. OK? Appelez Groo, appelez les Minions, appelez ces gens-là parce que ça va mal la vie. OK? Mais bref, messieurs dames, c'est pas juste ça que je voulais vous présenter, ok Il faut qu'on regarde également une interview parce que le petit monsieur, on va vous expliquer comment ça fonctionne le jeu, en détail et comment les gens ils sont vraiment fous par rapport à ce jeu-là, ok Les gens sont malades sur ça. Tout ça pour trois scènes, trois centimes, ok Les gens ils sont fous à ce point-là pour des skins, pour la pelure de la banane. Bro, on est rendu loin en tabarnak, je sais pas quoi dire. right, so dans l'entrevue, voici les trucs un peu importants, ce qui a été euh, noté, ben, ce que j'ai noté. Nous nous rapprochons maintenant de la valeur des bananes. Chaque banane est un objet qui entre dans votre inventaire Steam, où elles peuvent ensuite être achetées et vendues sur le Steam Marketplace. Elles ne font rien dans le jeu. Ben non, c'est juste des pelures, là, des skins. Il s'agit en grande partie d'échanges à très faible enjeu, car la plupart des bananes ne valent que quelques centimes. Ma Cherry Blossomana, qui est une banane peinte avec des fleurs de cerisier, vaut 4 4 centimes, 4 sous là! Si quelqu'un l'achète, je gagne de l'argent sans rien faire du tout. Plus la banane est rare, plus elle se vend cher. Une banane, la cryptique Nana, a été vendue 380 bro, le 31 mai. C'est une banane mystérieuse et il n'en existe que 25. Le 11 juin, la cryptique Nana a été vendue 514 Mais la banane la plus prisée est la Special Golden Banana. C'est ce qui est écrit sur la boîte qui s'est vendue à 1378 et 58 ou centimes, peu importe, le 9 juin. Puis 964 le 11 juin. Actuellement, il n'y en a qu'une seule en vente à 1345. Pendant ce temps, j'ai vendu une Cherry Blossomana à genre 2 centimes. C'est fou, les gens, ils sont obsédés par les bananes, man. C'est un bon temps pour être une banane. L'argent que vous gagnez en vendant vos bananes virtuelles est versé dans votre portefeuille Steam que vous pouvez utiliser pour acheter des choses sur Steam. L'équipe des développeurs, qui est un groupe de quatre personnes réparties dans le monde entier, 4 personnes pour développer le jeu. 4! 4! Yo, on a un développeur qui réussit à développer Manor Lords. Manor Lords, un développeur. Et d'autres, un développeur. Genre Minecraft, un développeur pour Minecraft. Pour un jeu de bananas, c'est quatre développeurs. Ça va-tu? C'est quoi ce bordel de merde? Même l'intelligence artificielle aurait pu le faire à votre place! Oh mon dieu, je suis devenu fou, man. So, l'équipe des développeurs gagne la majeure partie de son argent grâce à la boutique d'objets Banana qui vend directement certaines bananes pour 25 centimes ou 25 sous. Harry a refusé de dire combien ils ont gagné grâce à la boutique d'objets, mais les développeurs prennent également un petit pourcentage des ventes sur le marché, tout comme Valve, le reste allant à... aux vendeurs. Et en plus de ça, le monsieur Harry ou Henry, là, je sais pas son nom, a déclaré que Banana recevrait probablement des mises à jour, notamment un moyen pour les joueurs d'utiliser leurs objets pour modifier l'apparence de la banane dans le jeu. C'est cool, là. Hein? Ça veut dire, messieurs, dames, que dans ton jeu, là, tu vois, tu vois la banane, tu pourras l'habiller, bro. Tu pourras lui mettre des shorts, des pantalons, un t-shirt, une camisole. Tu pourras pimper ta banane. Ça va devenir pimp ma banane, bro. On est rendu là dans la vie, les gars. On est rendu avec des jeux de bananes, ou est-ce que tu cliques sur un écran, tu gagnes de l'argent, tu revends les skins. Ne te sens plus mal si tu achètes des packs, OK, dans FC24 pour ton Ultimate Team. Ne, ne, ne te sens plus mal. Je ne vais plus vous juger, OK? Promis, sur la vie de ma mère, je ne juge plus personne. Je te jure. OK? Il y a des gens qui sont pires que vous. Je, je, je m'excuse. Ubisoft, je m'excuse. Electronic Arts, je m'excuse. Tout le monde, je m'excuse. Il y a des gens clairement dans la vie qui sont plus fous que vous, ok Et je m'excuse. Je je m'excuse. Complètement. Je m'excuse à tout le monde, même que, que, que j'ai critiqué les microtransactions, les éditions qui coûtent super cher, ceux qui achètent les éditions, ceux qui ont acheté les éditions dans Top Spin, euh, le nouveau jeu de tennis qui est sorti pour euh, jouer dans le noir et tout. Les gens, si tu joues à banana, OK? Vraiment, tu joues, que ce soit avec un bot ou autre chose, et tu joues à banana, tu es un imbécile. Tu es aussi un imbécile que moi. Qui croque ma banane sans enlever la pelure comme ça. T'es aussi un imbécile que moi que t'es ça. OK? C'est stupide ce que je viens de faire, on est d'accord? C'est aussi stupide que toi qui joues à un jeu pareil. C'est pas très bon, là. Je, euh, attends, je reviens. C'est dégueulasse. Alright, je suis allé me rincer la bouche, là, c'était dégueulasse, mais vous avez compris le principe de la vidéo. Bref, messieurs, dames, je sais pas ce que vous en pensez, moi, j'ai. Euh, j'ai give up. J'abandonne. Je peux plus faire la morale à personne, je peux plus faire ces genres de vidéos-là. Je peux juste rapporter ce qui se passe. C'est tout. Il n'y a plus de jugement envers moi, ok? Je juge plus personne. Je. Faites ce que vous voulez, les gars. Bouffez vos bananes, là. Puis euh, soyez heureux, les gars. Bref, messieurs, dames, je sais pas quest ce que vous en pensez de toutes ces conneries-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis euh, voilà, man. N'oubliez pas de manger vos bananes. Enlevez les pelures. Parce que c'est dégueulasse avec la pelure. Puis euh, voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo, man. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et man, peace. Les gens sont fous. Ouais, check ça, je vais la voir, la banane, man. Bro. Moi, moi, je triche pas, là, comme toutes ces merdes, là, qu'ils osent tricher, là. Moi, je triche pas, bro. Moi, j'utilise vraiment mes doigts, là. Check ça, bro. Moi, j'utilise mes doigts, OK? Je suis pas un tricheur qui utilise des bots. Vous allez voir, je vais avoir plus de chance que vous, là. Tu penses-tu que je niaise, moi, dans la vie? Non. Moi, je suis un tryhard, bon. Moi, j'ai ma banane avec moi. J'ai mangé une pelure, là. Putain, j'ai mal aux doigts, là. Attends. Tabarnak! Check bien ça, mon chum. Tu penses-tu que je niaise, moi? Moi, je niaise pas dans la vie. Ah ouais, on est capable. Je veux juste un skin, s'il te plaît. Comment les gens ils font pour être accro à ce genre de conneries-là? Bro, je suis rendu à 200, genre 40 clics. J'ai déjà mal aux doigts. Comment, comment les gens ils font, man? Je comprends pourquoi tout le monde utilise des boss. Et check ça en plus, bro. J'ai juste 30 FPS sur le jeu. Comment ça j'ai 30 fps j'ai même pas 60 fps c'est quoi ce bordel man à un moment donné je vais finir par l'avoir bro ça risque de prendre un peu de temps par contre donc euh... bon, je vais faire un peu de montage puis on se retrouve quand j'aurai gagné quelque chose ok les gars à plus yo je viens de remarquer ma banane yo c'est bien fait le jeu hein je viens de remarquer la banane elle grossit Wow, plus tu cliques sur la banane est-ce que c'est moi qui est fou ou la banane elle grossit genre je pense la banane elle grossit Bon, bref. Whoa. yo, je viens de découvrir un sale cheat, man. Moi, si tu cliques euh, sur ta souris du côté gauche et droit en même temps, ça te donne deux clics. Yo, je suis un génie, les gars. Tu vois, les gens, ils osent tricher. Moi, je suis là, man. Moi, je suis là, like mon génie, bro. Je suis plus intelligent qu'eux, hein. Ah, t'inquiète, man. Ah, hein? Moi, je suis un try hard, bro. Moi, je niaise pas ici. On est exactement à 5 minutes de moi qui vient de... qui arrête pas de cliquer, là, comme un fou. On est dans les 1002 ans. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir un skins, les gars. Qui sait, peut-être je vais devenir riche. Je vais pouvoir me payer l'épicerie. Je vais pouvoir m'acheter plein de bananes. Une caisse de bananes. Tu sais quoi? Je te dis ça live. Si je gagne un méga skins et je vois que ça rapporte gros... Je te jure sur ma vie, j'achète une caisse de bananes. Au complet. Je vais à l'épicerie, je leur pointe une caisse de bananes. Je leur dis ça, c'est à moi maintenant. Là, ils vont me dire, monsieur, écoutez, ça va vous coûter genre 1000 pièces. Je dis, t'inquiète, bro. J'ai joué au jeu de bananes. J'ai gagné du cash grâce à un skins. I'm good for life. Je suis chill pour la vie, mon gars. Check ça, je te jure. Moi, j'arrête pas tant que j'ai pris un skins. Mm -mm. Je vais faire comme les autres imbéciles qui jouent à ce jeu. Moi aussi, je suis un imbécile maintenant. OK voilà. Ok, maintenant, mon goal, c'est d'essayer d'arriver à 10 000. Puis, euh, si à 10 000, j'ai rien. Euh, moi, je laisse tomber. <laughs> je, suis <K> <laughs> je suis à 3 400, j'ai rien encore, bro. Ce jeu-là est plus dur qu'un genre Elden Ring ou un Dark Souls, je te jure. Ça, c'est un Souls Like, man. C'est un Souls Like, je te jure. Ici, le boss, là, c'est ta souris, puis la banane, bro. C'est eux, les boss, non. Man, j'ai tellement mal aux doigts non. Incroyable, mon chum. ouais, donne-moi un skin, donne-moi un skin, donne-moi un skin, bro, donne-moi un skin. un skin. Les gars, euh, je suis rendu presque au 6000. Je pense que ce jeu-là est une arnaque. Je ne suis pas sûr encore. Je ne suis pas encore certain, mais je pense. Comme je vous ai dit, je vais essayer de me rendre à 10 000. Si à 10 000, je rien, moi, j'arrête. Hein. Messieurs, dames, je suis arrivé à 9900. Toujours aucun. Skin de petite banane. Messieurs, dames, là, ça va être le décompte. Vous et moi, comme si c'était la nouvelle année, pour se rendre à 10 000. C'est parti! Vas-y, Messieurs, dames, on peut se rendre à 10 000. Êtes-vous prêts? Oh là là, on y est proche. OK. Moi, je suis prêt, on va faire le décompte ensemble, Messieurs, dames. 10, 9, 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1. Allez, un skin, s'il te plaît. Je viens de perdre 20 minutes de ma vie. Voilà, 20 minutes de ma vie. Euh, je confirme, messieurs, dames, après euh, 10 000 clics. OK, j'ai très mal au poignet et au doigt. Ce jeu est une arnaque. Ne jouez pas à ce jeu-là. Euh, ça ne vaut pas la peine. Merci. Au revoir.